voyais vraiment pas retourner à l'école après avoir passé des années à travailler en entreprise. Donc c'était pour moi, en tout cas, le choix qui me semblait le plus logique et le plus adapté à ma situation, et financièrement, et puis à ma vie de famille aussi. Étant originaire de Saint-Barthélemy, on n'a pas toutes les formations désirées et souhaitées sur une petite île, donc c'était le meilleur compromis entre les études et le fait de rester sur mon île. Je n'avais pas envie de me retrouver avec des étudiants démarrant leurs études. Je préférais être à domicile, bien installée et travailler à mon rythme. Avec ma vie familiale, c'était plus facile de faire une formation à distance. Parce qu'il fallait qu'en parallèle, je puisse poursuivre une recherche d'emploi. Ça a été pour moi la meilleure façon de rentrer dans la vie active, c'était de commencer par, de passer par cette formation. Premièrement, c'est une école soumise au contrôle pédagogique de l'État, donc ça offre un sérieux. J'ai été beaucoup sur les forums de discussion. C'est important par rapport aux avis d'anciens élèves qui ont terminé cette formation, qui ont trouvé du travail après, en nous disant que les cours étaient complets, que les professeurs étaient là pour nous aider. Tout ça, ça m'a permis vraiment de choisir cette école. Par ailleurs, c'est vrai que les possibilités de financement était très ouverte, donc c'est un point très positif aussi. Le fait que vous soyez aussi spécialisée dans la comptabilité, alors qu'il y avait d'autres écoles qui étaient tellement diversifiées, je me demandais comment est-ce qu'ils pouvaient en même temps se consacrer au métier de la comptabilité.